Ouais les gars, donc voilà, je vous fais gagner 10 € PV sur Zenosia et 5 € PV sur Skill s'il y a 50 likes. S'il n'y a pas 50 likes, je vous fais gagner un space sur Skill. Donc voilà, si vous participez pour Xenosia, vous marquez votre pseudo. Et pour Skill aussi, vous marquez Skill ou Xenosia. Donc voilà, tu vois, ici mer. Et je vous laisse sur la présentation et après sur la vidéo concernant les traps sur Skill PV. Ouais les gars, donc voilà, petite vidéo présentation comme je l'ai dit. Donc voilà, on va présenter Zenosia MC. Pour ceux qui connaissent, avant c'était avec un admin qui était pas très 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 Charlie. Maintenant c'est un nouveau staff, etc. Donc voilà, le serveur est vraiment nice. En plus, ils ont ajouté des nouvelles nouveautés, etc. Tout a été refait. Donc voilà, on va commencer directement par le système de farm. Donc voilà, canne à sucre, melon et citrouille, ça se cause automatiquement. Vous avez un hopper de farm qui permet de récupérer automatiquement dans un chunk. Donc voilà, par exemple ici, ça descend. Après, vous avez la houe de replantation qui permet de vendre directement. Voilà, hop. Donc voilà, vous pouvez pas spam en fait, ça évite. Et là, du coup, c'est soit pour vendre. Là, alors vous avez soit pour vendre, etc. Vous faites clic droit, hop, auto-récolte ou auto-sell. Soit vous devez. Oh merde, putain, je suis un peu con. Hop, hop. Bon, j'ai cassé le truc. C'est pas grave, on n'a rien vu. Donc voilà, en gros, ça permet soit de garder vos items pour vous si vous en avez besoin, ou soit tout simplement la garder pour vendre directement. Et si vous avez différents buissons à monnaie, comme vous connaissez, si vous avez joué, après vous avez buissons aussi XP. Donc voilà, farm XP, etc. C'est tous les 2-3 minutes environ pour la monnaie, je crois, si je dis pas de conneries. Il y a 4 nouveaux creepers. Oh, ça pète dans l'eau. Lave dans l'eau aussi. Dans la lave plutôt. Un creeper faux, creeper feu, c'est ça. En gros, c'est là où la lave son, le coffre explosera. Sauf que la lave, l'explosion, en gros, ça va enlever la lave quand ça va faire péter le creeper. Et l'amélioration, c'est un creeper qui fait spawn, qui fait une explosion 2 fois plus forte. Ici, vous avez les différentes pièces. Donc voilà, ce sera échangeable au PNJ, etc. Vous avez les 5 pièces, 1, 2, 3, 4, 5, ah non, 6, ah non, là c'est un token, donc voilà, en gros il y a 5 pièces, donc voilà, la meilleure c'est voilà, c'est level 5, 4, 3, 2 et 1, donc voilà, tout simplement, ça permet d'obtenir des nouveaux items, etc., pas mal. Ici, l'armure de farm, vous connaissez, fire résistance, 2 as, jump boost, night vision, du coup voilà. Ici, nous avons la deuxième armure du serveur, donc voilà, avec l'épée gladiateur, c'est une épée en or, elle m'a fait 15-25, les crafts sont ici. Donc voilà, ça se craft comme ceci avec des blocs d'émeraude. Et aussi la meilleure armure se craftera dans une nouvelle dimension avec du diamant renforcé, etc. qui ouvrira une semaine après l'ouverture du serveur. Dynamite, vous connaissez. Hammer, ça met du 3x3. Random or, c'est un minerai aléatoire. Celle de TP, on va se mettre par ici. Hop, voilà, ça met du TP au dehors d'une trappe par exemple. Se craft avec un bloc de diams et un bloc d'émeraude et un stick. Après ici, Harvester, vous connaissez, ça récupère automatiquement. Zenochunk. Samina Chunk et Celstick, c'est pour vendre directement vos items. Voilà, la dynamite ça se craft comme ceci, le hammer comme ceci, celle de TP. Ici la pioche de vision, ça permet de voir à une distance de 25 blocs s'il y a des minerais par exemple de fer, de diamant, etc. Ça marquera un minerai est à 25 blocs par exemple ou à 2 blocs, un truc du genre. Donc voilà, ici vous avez différentes clés, il y a une clé trailer aussi pour ceux qui uploadent de trailer. Donc voilà, et merde, putain. On n'a rien vu et je casse tout, c'est incroyable. Heureusement que c'est le moment, le dernier record. Donc voilà, vous avez un buisson underpearl en fait, ça permet toutes les 2 minutes d'obtenir des underpearls tout simplement. Vous connaissez, je vais vous montrer le spawn et puis on va se laisser là, les gars. Hop, d'accord, mon micro était mal mis, je pense. Donc voilà, vous avez des quêtes, vous avez des jobs. Donc voilà, je pense, j'ai fait un peu le tour. Hein. Quête, jobs, putain, tout. Hein. Voilà, ah, classement PayPal aussi 100 €, 75 et 25 € en fin de version. Voilà le spawn. Et la Warzone qui est plutôt pas mal. Ah ouais, par contre, la Warzone est très stylée, par contre, et le spawn aussi. Donc voilà, je vous mets les liens en description, play.xenosia.mc.fr, et je vous laisse sur Skill PVP. Bon, on va aller voir un mec qui s'appelle Finplay. Il a dit PVP nature, je sais pas quoi. Hop, petit joint. Ah, il est vraiment P4 en fait. C'est parti. Hein. Ah, mais lui, il a plus hein. C'est bon en fait, c'était juste. Oh, par contre, le joint gros, oh là là. Ah, en fait, d'accord, je dis ouais, je prends 0 dégâts. Par contre, c'est horrible hein, là. Attends. Oh là là, ok. Ah voilà, là c'est bon. Allez, allez, allez. Allez, allez, oui. Allez, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça veut. Ah oui. Ça veut trap comme ça là. Il faut même plus de trappe, genre ils font les trappes en direct. Ah oui, ah par contre j'avais pas vu. Ah ouais. Oh merde, putain, je suis un peu débile. Hop, le spawn. Oh merde, putain, je suis un débile. D'accord, bon là je crois que c'est la fin pour moi les amis.
Oh là là là, oh là là là. Et c'était. Bon, on a eu la preuve que c'est bien du cancer. Hein. Un mec qui back, un mec qui veut trap. Bon, c'est vraiment super, super, super. On va essayer de taper, on va essayer de taper un autre mec. Et puis je vous reprends pour la dernière séquence. Hein. Eh, vous savez quoi? On va retourner voir le même gogol. Hein. Il a l'air d'être un peu con, donc on va. Non, mais il est insane comme mec quand même. Hein. Oh là là, il est insane ce petit. Oh là là, je pense qu'il doit être très hâte de ses grands morts. Il a 10 ans. En fait, ça sert à rien parce que, genre, je sais même pas si c'est du P4. Regarde, en plus, il est pas très bon quoi. Hein. Bon bah. Attends, j'ai envie de me faire trap en vrai. Juste pour rigoler, voir comment ça se fait de se faire trap. Parce que sur skill, je suis jamais fait trap. Donc, je peux pas savoir ce que ça fait d'être trap sur skill. Ah, on m'a déjà trap, mais bon, enfin, j'ai réussi à back quoi. C'était un peu des trappes de merde. Wesh, par contre. D'accord, en fait, je fais de la merde. Attends, ça a été par ici, ça trappe, non? En fait, faut juste que. D'accord, il a eu l'avantage, je sais pas comment. Là, voilà. Là, je suis en train de me manger. Là, c'est pas ça, c'est pas claim par lui. Oh mais je l'ai allé le manger. Oh, il a failli drop 40 fois. Bon bah hein. Gros joueur de type Minecraft. Allez, allez. Oh putain, wesh. Il a TP. Il a TP. Allez, il est ATP. C'est pas ça le joueur Minecraft? Putain, alors. Il a pas réussi à me trap, du coup, bah il a le seum, il TP. M, fin play. Nice. Putain, gros joueur, gros joueur. Bon bah, soit ça trappe, ou soit ça back comme un peu un random. Donc bon, c'est pas ouf, hein. On a eu aucun mec Charlie. Bon, c'est pas grave, en plus j'étais même pas P4, quoi. Enfin, c'était. Bah j'étais P4, mais pas un genre P4 sinon, quoi, on s'en fout. Bref, bon bah voilà. Fin de la vidéo, les gars, oubliez de participer pour les points boutique. Donc voilà, on se capte d'ici un jour ou deux pour une nouvelle vidéo. Ouais, donc ouais, je suis TP. Bon, il y a un mec qui a voulu se TP pour fight. Donc, je sais pas, il fait quoi. Bon, par contre, tu m'as bien fight, cousin. Eh oh. Il fait quoi? Bon, ban. Mais. Qu'est-ce que tu racontes? Mais, what the fuck? Mais il a un problème mental. J'ai dit. Qui PVP, nature, qui t'empereur? Tu m'as fait après en premier. Et. J'ai dit. Qui. PVP. Mais il est. Oh là là, mais on a trouvé un spécial. J'ai envie de le. Vraiment, j'ai envie de le tuer. Hein. J'ai envie de le tuer, wesh. Tu te TP à un. Qui PVP nature. Bon bah voilà, je vous reprends vraiment. C'est un putain de. Oh, j'ai jamais vu un spécimen comme ça, par contre, c'est incroyable. Bref, moi, je vous reprends quand il y aura un vrai fight. Ok gros.